Courez très vite, mon roi. Vous êtes vraiment très pressé de savoir qu'est-ce qu'il en est de la situation. Et Attendez, il y a un d'ailleurs. problème là. Il était pourtant on là. Cherche. Cet c'est quoi anneau. ça? Quel est Vous cet aviez anneau? laissé son corps ici? Sûr qu'on l'avait laissé ici, vous pensez qu'on allait le mettre où? Il était mort, Bah, voilà. Le mettre en terre au moins, non? Le mettre en terre et puis quoi encore? On va le mettre dans la fosse, oui? Bah, si vous voulez contaminer l'une de vos cellules, c'était le meilleur moyen. J'ai l'anneau des arcanes. Ce n'est pas son corps là qui est ici, hein? Non, son corps, son corps était là, il n'a pas bougé. Quelqu'un l'aurait pris? Il aurait pu devenir squelette pour l'instant. Quelqu'un aurait pris son corps? Mais je sais pas, il y a l'anneau des arcanes qui a été disposé. Mais qui aurait volé son corps? Ça n'a pas de sens. Ben... Mon petit-fils. Il s'est fait passer pour mort. Pensez. Comme toute bonne intrigue de théâtre, et savons-nous, il n'y a pas de corps. Savons-nous pas de seulement mort. Qui l'avait empoisonné? Aucune idée, mais ça nous arrangeait bien jusqu'à présent. Ah oui, mais du coup, si on ne sait pas qui l'a empoisonné, c'est-à-dire que peut-être que c'est lui-même qui a falsifié l'empoisonnement? Pensez-vous? Bah écoutez, si personne n'a revendiqué son crime, c'est peut-être qu'il n'est pas crimé. Je sais pas, mais il va falloir élucider cette histoire. Je veux savoir où est passé son corps. Pourquoi monsieur le forgeron en est mort? Qu'en pensez-vous, monsieur Pomme? Je sais pas. Nous devons régler cette histoire au moins pour fournir une preuve à son apprenti. Alors pourquoi il est devenu fou d'un coup et s'il meurt? Mais ça m'étonnerait que vos clergés soient encore en vie. Je me demande où est passé son corps et je sais que... Peut-être que cette femme était encore parmi nous, celle qui aurait volé sa soi-disant table. Il faudrait que je me renseigne pour savoir où il est. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai des lancers de fléchettes. Bon, je suis et extrêmement je suis extrêmement fatigué, je pense que je vais aller me reposer. Je me sens pas très bien. Reposez-vous ouais, aussi, ma chère. Je pense que je vais aller préparer un petit mets en cuisine et je vous apporte ça dans ce cas. Très bien, j'enlève mon armure. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'étais sur le parvis lorsque j'ai reçu votre missive. Vous étiez sur le parvis, oui, je n'étais pas sûr que vous puissiez recevoir mon bijon voyageur, hein, parce que moi, si. En ce moment, j'ai vraiment l'impression que le réseau passe très mal, hein, avec... Votre femme est déjà à l'église et nous attend. Ah, d'accord. Ah, attendez. Vous avez soif? D'accord. Dites-moi, mon cher, on est d'accord que le mariage se passe en petit comité, nous ne sommes pas nombreux, donc... J'attendais sur vous pour me dire qui sont les invités de votre propre mariage. Bon, les gens proches de la cour, je pense que monsieur l'archimestre... Monsieur l'archimestre Sion. Oui, enfin ma fille n'est pas là, malheureusement, mais je pense que oui, en effet, la présence de ma femme serait déjà quelque chose de bien. Moi personnellement, pour vous marier, il ne faut qu'un seul témoin. Je pense que l'archimestre Philippe, notre nouveau chevalier Lucas et Galadium sont les bienvenus pour assister à ce mariage. Monsieur Galadium peut-être. Ah, monsieur l'archimestre! C'est aujourd'hui le grand jour! Bonjour, monsieur l'archimestre! Ah, monsieur. Je vais enfin me marier avec ma concubine qui officialisera notre relation. Et je préférerais le faire en petit comité parce que comme le peuple a tendance à croire que nous sommes déjà mariés. Ah oui, oui, je vrai. Me dis que voilà, peut-être leur garder cet espoir de fait que nous sommes mariés depuis le début et qu'il n'y a pas eu de relation. Oui, bien sûr. Bah, très bien. Attention, monsieur le roi, ça brûle derrière vous. Faites attention. Je me permets, mon roi, de refermer l'église pour éviter... Je suis content que nous puissions faire ça de nuit, comme ça sera plutôt discret. Mon roi, je me permets de vous laisser vous installer sur vous cette chaise. Vous m'installez déjà? Très bien, oui. Et où s'installent les autres? C'est vrai que... Monsieur l'archimestre à côté de monsieur le roi. Très bien. Et est-ce que je... Je me mets quelque part, moi? Bah vous restez debout, pas loin de nous, pour notre sécurité. Vous pouvez rester... Peut-être pas sur l'estrade, mais... Peut-être pas là, non. Restez à côté de derrière, là. Monsieur le voyageur, c'est ça?
Non, pas du tout, je suis mineur. Monsieur le mineur, excusez-moi, Igor, Igor, dites-moi. Vous installez ici. Non, dans votre royaume, vous aviez des talents pour tout ce qui était témoignage et compagnie. Témoin quoi? Je vais chercher votre femme. Asseyez-vous sur cette chaise et comme ça, vous serez en capacité de témoigner de notre union et dire que ça fait 5 ans qu'on est déjà mariés. Asseyez-vous. Ouais, ouais. Vas-y, c'est quoi maintenant? Elle où la reine? Oh, la reine des neiges. Je vous laisse prendre la place à côté de votre mari. Pour ce renouvellement de vœux, bien sûr. Hein. Oui. Excusez-moi, chevalier Brouty. Vous êtes magnifique, ma chère. Merci beaucoup, mon roi. J'éclaircis ma voix pour faire mon discours. Faites attention à vous. Je crois qu'il lui faut du miel. Ah, j'ai du miel chez moi, si on voulait. Il y en a plein dans ma chambre. Je vais me permettre de décaler ce chandelier, il me gêne un petit peu. C'est la sève de pain, c'est génial. Je regrette déjà de l'avoir invité. J'aurais mieux fait de prendre un deuxième autre témoin. Pourquoi il n'y a pas de coussin sur ces chaises? C'est vraiment très inconfortable. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de coussin, mais bon, c'est pour la bonne cause. Moi, c'est bon, je suis content. Est-ce que vous êtes fier pour moi, monsieur l'archimède, vous qui avez forgé mon éducation? Oui. Bon, vous le remettez, chandelier? Mais qu'est-ce que c'est? Mais il vient piquer sur l'hôtel. Oh, bravo, ça c'est n'importe quoi. Et du coup, le mariage se fait en huis clos? Oui, 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 parce que. Pour ce renouvellement de vœux. Ce renouvellement de vœux, ma chère, voyons, ce n'est pas notre premier mariage. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis en ce jour pour renouveler les vœux de notre roi Chrysophix, ici présent. Attendez, est-ce que vous pouvez faire comme si c'était notre premier mariage, s'il vous plaît? Oui, très bien. Juste comme ça, pour que les gens pensent que c'est notre premier mariage. Oui, d'accord. Parce que j'aime pas mentir au Dura, vous savez, enfin, c'est pas... Très bien. Bah, si c'est votre deuxième, pourquoi vous mentiriez? Nous sommes réunis en ce jour pour prononcer les vœux de notre roi ici présent et de sa compagne, qu'il chérit plus que tout. Nous sommes en compagnie de leur plus fervent proche, monsieur l'archimestre, monsieur le chevalier qui protégera son roi, et notre ami le mineur. Eh, salut, c'est moi. Plus Brouty. Puis quand Igor, c'est le plus proche de la reine. Il me semble que vous aviez quelques mots à dire à votre cher étendre. Je vous laisse la parole. Oui. Alors. Attention, j'ai tout préparé. C'était émouvant. Oui. Alors, mon roi. Avant de vous rencontrer, ma vie était triste et terne. Je me méfiais de tout le monde et voyais le complot partout. Puis j'ai appris à vous connaître et ma vie s'est transformée. J'ai appris à voir le monde à travers vos yeux, à voir la beauté en chaque chose et chaque personne. De notre union d'ailleurs est née notre magnifique fille, qui doit être fatiguée actuellement. Mais nous n'en parlons pas. Brigadée. Elle est le meilleur de nous deux. C'est pour toutes ces raisons que je me fais une joie de tout abandonner pour vous offrir mon âme et mon cœur et associer à jamais. Pendant que vous m'offrez l'argent de ce royaume. Ça me touche, vous savez. Je me doute. Attendez, il est là. J'imagine votre vos choux bien rouges. Si vous voulez vous toucher, c'est en dehors de l'église. Hein. J'en ai les larmes de deuil, vous savez. En plus, je pouvais m'empêcher d'écouter les commentaires de monsieur l'archimède qui étaient tous touchants. C'est triste. Il était là en mode, hein, elle est vraiment gentille. Ah oui, c'est vrai. Du coup, moi aussi, je dois dire quelque chose, je suppose. Si vous en avez envie, mon roi. Même moi, j'ai été très ému. En fait, c'est tellement beau, on dirait un. Faut que vous sachiez, ma chère. Que, oui, c'est comme si c'était notre premier mariage, vous savez, ma chère. Faut que je vous dise. Bah, avant vous, j'avais jamais eu personne. Et. Voilà, je m'inquiète, c'était. Triste, c'était tout ça et vous avez su me redonner goût à la vie. Quand monsieur le clergé nous a fait toutes ces horribles choses et que vous m'avez apporté cette fille. Elle est délicieuse. Oh, elle est si mignonne, si sucrée. C'est fou, hein. Oh. Voilà. C'est très bon moment, mon roi. Vive les mariés. C'est très émouvant. Je vous aime aussi. Donc je préfère vous demander, mais mon roi, votre témoin est-il bien monsieur l'archimestre ici présent? Bien sûr, oui. C'est comme mon père, vous savez. Très bien.
Ma reine, votre témoin est-il monsieur le mineur ici présent? Oui. Cela vous convient-il? Oui. Il me faut bien un témoin par personne, malheureusement, pour officier. C'est en train de mourir. Excusez-moi, je vais donner 8 ans. Nous allons donc passer. Je vais bien. Ah. À la fameuse phrase que tout le monde connaît. Non, c'est bon. Voilà, ça va aller. Ma chère, vous êtes déjà en train de vous dissiper. Pardon, excusez-moi. Je m'inquiète de la plèbe, excusez-moi. Je prends mon roi à la cave. Mon roi. Oui. Voulez-vous prendre cette jeune femme ici présente pour épouse, de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé ou dans la maladie, et de l'aimer tous les jours de votre vie? Alors, l'aimer, oui. La prendre comme épouse, oui. Rester fidèle, bah ça dépend des servantes, hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Très bien. Voilà. Ma reine, voulez-vous prendre votre roi comme époux et lui promettre de rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Très bien. Je vous déclare donc mari et femme par les pouvoirs qui me sont conférés par le dieu Ra. Vous pouvez embrasser la mariée, mon roi. Oui, venez là. Attendez, venez là, c'est plus on n'est pas à la même hauteur. Oui, venez, faites le tour. Attendez, on va se mettre là, ça sera mieux. Oui, peut-être. Oui. Oh, on se lève devant nous, levons-nous. Je vous donne à chacun une scie. Bisous. Oh, c'est tellement beau. Venez là, monsieur l'archimède. Vive les mariés. Venez, mon enfant. Pour fêter ça, regardez. Vive les mariés. Pourquoi personne ne s'enjaille avec moi? Vive les mariés. Tout le monde a-t-il reçu une hostie? Cette hostie. Ça se mange? Oui. Allez. Moi, je peux pas, moi. Je suis désolé. 3, 2, 1. C'est qui le prochain à se marier? C'est qui le prochain? C'est qui? C'est moi, on va dire. Mais non, ça peut pas être toi. Bah, Je me permets. Vous êtes chevalier, si vous vous mariez, vous allez avoir de la distraction. Je préfère que vous payiez des putes plutôt que vous ayez vous marier. Je me permets une dernière phrase, mon roi. J'ai pas compris. Pour célébrer ce mariage dans l'église du Saint-Ra, il est commun de tous manger des chips au fromage que je vous ai distribué. Merci, je les ai déjà mangés, moi j'ai été gourmand. On avait une petite faim. Je vais faire du sport, ça devrait aller mieux. Ouais, allez. Vive les mariés. C'est une. Dans l'église du Saint-Ra. C'est une danse viking, je reconnais. C'est une danse viking, je reconnais. C'est quoi? Une danse viking. Qu'est-ce qu'un viking? Je me permets donc de rouvrir la porte après ce mariage. Merci, on peut y aller, bonne journée, merci, vous voulez combien pour le mariage? Oh, c'est gratuit pour vous, moi. Très bien, une pièce en chocolat. Moi j'avais bien, moi j'ai faim.